Hello tout le monde, c'est Nat, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Atlas, les aventures de Bill le Bottier. On est parti pour l'épisode 18, il me semble. Ouais, il me semble que c'est l'épisode 18. Donc du coup, on s'était quitté sur l'île là où il y avait le pit sulfure. Non, c'était le pit là-bas. Et du coup, j'aimerais bien me barrer pour aller chercher le sulfure. Il y a un pit de ce que j'ai vu sur le site Antiax, il y a un pit juste ici. Ici je crois un sulfure pit, donc du coup pour le sulfure il manquera plus que la brimstone. Ouais, aussi on a toujours notre bold ship ici, du coup on a posé le lit pour ce TP, aussi pareil pour le métal pour fabriquer aussi des trucs avec la brimstone. Alors j'ai envie de prendre le risque de me balader, j'ai pas encore eu de problème. Enfin si, j'ai eu le canasson qui s'est barré. J'ai perdu le canasson, mais... Oh, calme-toi, toi. Ouais, du coup, ouais, j'ai peur de naviguer. En fait, les bottes, bon, ça me fait un peu chier de perdre des bottes, tu vois, c'est sûr. Mais, les bestiaux, là, j'ai pas envie de les perdre. Mais on va quand même prendre le risque. C'est quoi, genre, j'ai pas envie de rien faire. On va prendre le risque. Il neige, ouais. C'est pas beau, ça. Petite neige. Ouais, on va naviguer. On va quand même prendre le risque. Alors, après, naviguer où? Telle est la question. Avec le vent qu'il y a, frère, c'est un peu chaud. On va voir. Pas le zoo, frère. C'est le zoo sur le bateau. Non, j'ai hâte de retourner à la maison là parce que j'ai trop de stuff à save. Trop de stuff. Et puis il faut qu'on se prépare aussi pour l'hydre. Hein. L'hydre, il faut qu'on se le tape. Notre première pierre. Du coup, là, on bouge ici. Il faut bouger à droite. Ah, bah ouais, on va pouvoir aller chercher le sulfure. On va avoir le vent. On va préparer ouais, le sulfure, on va essayer de mettre un lit là-bas, pareil, pour pouvoir TP dessus, et on sera bon. Donc, ouais, il faudra juste trouver la brimstone. Mais on verra plus tard pour la brimstone. On y retournera, de toute façon ici j'aimerais bien faire la découverte de toutes les îles ici. De toute la région du pôle Nord, découvrir toutes les îles, tu vois. Et j'ai une carte en I1 aussi, une carte bleue. On verra si plus tard, on a le temps. Okay. Donc on va aller là. On n'a pas trop de Zef, mais ça devrait le faire. On est lourd, il faut savoir aussi qu'on est blindé. Hein. Genre le poids du bateau, on est plutôt pas mal au niveau du poids. Hein. Ça joue sur notre vitesse. On est à 9000 sur 16000, ouais. 9000 sur 16000, c'est un peu chaud. Ah, ce qui m'embête, j'avoue, là, c'est... Ah, putain, je suis en train de penser aux baleines, là. Ah, putain, j'avoue, je tombe sur une baleine, je suis dans la merde. Hein. J'ai pas assez de trucs pour me défendre. Comment je pourrais faire Comment je pourrais faire? Je suis vachement lourd là. Faudrait que je fasse ouais. Là, vrai, du poids du bateau dans la prochaine zone. Quoi, sur la prochaine île, je me pose et que je fasse un truc au niveau du poids. Parce que là, j'avoue, le danger, c'est les baleines. Hein. Les damned, les bateaux damned, je peux les esquiver à mon avis, il n'y a pas de souci. Mais alors les baleines. La baleine bleue, elle a pas l'air de. Non, c'est surtout la sperme. La baleine. La sperme là, elle. Oh là là, oh, tu vois, eux. Eux, on esquive. Ah,
Ah, en vrai, ça me fait rep, hein. Putain, c'est pas facile de naviguer dans ces conditions-là. Quand t'es vachement lent comme ça, t'es une proie facile et ouais. Ah, je pense que je vais faire un demi-tour, je vais poser le bateau là et je vais essayer de faire du poids. Ouais, gagner du poids. Très important. J'avance pas là, ouais. J'aurais été chaud de faire une voile de poids, mais. Une voile de poids, j'avance pas non plus. Hein. Ou une voile de vitesse? Ah, je sais pas. Non, je pense que c'est pas la voile qui me pose problème. Je pense que c'est surtout que j'ai beaucoup de stuff. Je peux pas checker le stuff que j'ai là. Ça prend du poids. Je pourrais peut-être tèche les canons qui me restent là. Ça, j'ai pas accès. Qu'est-ce qui pourrait prendre du poids? J'ai rajouté ça. Ça peut prendre du poids aussi. Ah, 400, j'avoue. Mais ça prend du poids de fou. Attends, il y a des trucs dedans? Ah ouais, attends. Je vais attendre que ça soit. Ça soit truc, t'inquiète. Ok, j'arrive sur l'île en question, les gars. On va voir s'il y a le sulfur pit. Alors, j'ai une petite précision aussi à faire sur certaines régions. Par exemple, celle-ci, vous vous dites qu'il n'y a que deux discoveries, vu qu'il y a deux îles. Et quand vous regardez, par exemple, les discoveries de la région, quoi, de la zone, il y en a quatre. Et c'est très simple, c'est parce que les icebergs, bon, pas ceux-là, hein, pas les petits là. Mais les gros comme celui-ci et celui-ci sont considérés comme des discoveries, donc des découvertes. Et donc il faut les gravir un peu, il faut juste pouvoir mettre un pied dessus. Donc il te faut un grappin, un truc pour escalader. Et puis c'est bon, ça suffit. Alors, on va se caler tranquillement. J'ai pas perdu de bestiole, j'ai fait un peu de vide sur le bateau. Un peu d'espace. Pour les libérer du poids. Donc du coup, ouais, j'étège vraiment. J'étège pas mal de trucs. Et là, ça va. Pour le moment, je suis pas en surpoids. Je suis plutôt pas mal. On va prendre du stuff. On va prendre de. Non, c'est là ou c'est pas là? Parce que j'ai pas envie de me tomber avec des bestioles qui me défoncent. On va prendre note. On va prendre ça. On va prendre. Peut-être prendre ça, maybe. Ça. Des balles, forcément. Tac. Ça, on va le garder aussi. Ça peut être pas mal. On va prendre ça là. Et je crois qu'on est bon. Je serais chaud de t'as un petit pingouin aussi là. Un petit manchot. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, il y a les Yeti, ouais, il y a des Yeti. Les Yeti, c'est un peu galère. Je me demande si je peux. Ah, on va faire le test, vous savez quoi? Lion contre les Yeti. Ouais, un lion contre un. Ou un lion ou un tigre? Lequel fait le plus de dégâts? Que je peux tester. Fait 114 de dégâts. Level 21, lui level 32. On prend le level 32. Le tigre. On teste ou quoi les gars? Ça peut passer. Ou en vrai je prends toute l'équipe. Non, je vais pas prendre toute l'équipe. Mais on va tester. C'est quoi on va tester. S'il met trop de dégâts, de toute façon je fuis. Hein. Alors, toi. Il charge ou. Je sais pas c'est quoi le truc à droite. Zéro dégâts, frère. Je fais pas de dégâts. Hein. Ouh, c'est beau ça. Oh là là. Attendez, ça mérite un screen ça. Avec l'autre qui me course derrière là.
Oh, lâche-moi, frérot! Je fais un screen là, putain! Attends, bouge pas, je vais appeler mon équipe, tu vas voir. Bouge pas, j'appelle mon équipe, on va s'occuper de toi. Oh putain le con! Oh, je rigolais, frérot! Oh! Fumez-le! Ils viennent pas m'aider les autres là. Je comprends pas là, ils viennent pas m'aider. Survie, survie frérot. J'espère qu'il va survivre. Hein. Oh, ils sont où? De con. Oh, mais non, mais putain. Putain, mais c'est vraiment mal fait, mais mal fait. Vas-y, follow moi là. Il est où? Putain, mais ouais, voilà, il est parti courser l'autre. Oh, le Yeti, il est là. Allez, la famille, là, venez, 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 venez. Attaquez-le! Allez, dégommez-le! Oh, ce bordel! Oh, c'est la guerre! Oh, c'est l'anarchie, frérot! Eh bien, les gars, je suis en train de crever de faim, mais c'est ok. Hey, tout ça va. Il est où? Putain, il a tout becté. Et mon mythos là? Ah, il a le mythos. Ok, je suis en train de crever les frérots. Je sais pas si j'ai de la bouffe sur mon bateau. Eh, venez, bande de cons. Putain, la dinguerie. Oh, cette équipe, on l'a défoncée. Hein. Mais ouais, du coup. Un lion. Oh, oh, la dinguerie. C'est moi passé. Eh, mettez-vous tous là, là. Voilà, bonne bête, ça c'est une brave bête, mais oui. Oh mais vas-y, mais les... Et il se gêne, c'est con. Moi je suis en train de crever de faim, les gars. Démerdez-vous. Putain, ouais, j'ai vraiment plus rien. Hein. Ouais, 6 mythos, hein. Genre les Yeti, pour les farmer, ça peut être pas mal, mais c'est pas le mieux, je trouve. Hein. Je crois qu'il me faudrait, ce serait pas mal de revenir à la base avec 20 mythos. Parce que je crois que 20 mythos, ça sert, ça va nous servir pour le Mythical Shipyard. Je crois que c'est 20 mythos, il faudrait faire un TP pour savoir exactement.
Allez, cuit, toi. On va esquiver les Yeti vite fait. Ça, on a déjà looté. Je me suis pas, hein, je crois pas. Alors, du coup, c'est par là. Il faut continuer tout droit un peu sur la gauche. Donc, je pourrais faire un petit. Ah, il y a du louveteau là. Hein. Ouais, un petit bateau pour pouvoir me caler ici. Clic droit, il fait quoi? Il mange aussi, c'est la même chose en fait. Non, mais. Vas-y, prends. Comme toi. Alors. Là, on a le sulfure. 53, ouais. Ouais, poser un bed. Au pire, ouais, si je peux poser un bed, ça peut être pas mal aussi. Il a shooté le lapin, frère. Alors. Est-ce que je vais pouvoir crafter ça juste à côté? Non. Ah, t'es en train de me dire qu'il faut que je crafte un bateau là? Ah ouais, c'est pour ça qu'il n'y a rien de construit. Il y en a du Yeti ici. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont rien construit, les mecs. Que tu peux pas construire tout simplement. Ouais bah nickel, on verra plus tard de toute façon. Hein. Tant pis. Là, on a un putain de Zef, on va en profiter. Là, on va tracer, on a un Zef énervé. Serait con de pas en profiter, tu vois. Ouais, on a un Zef complètement vénère. On n'a pas le. Ah si, on a la traînée à droite. Il faudrait rejoindre la droite là pour avoir encore plus de vitesse là. On va essayer. On va essayer de récupérer la traînée à droite. Alright guys, we back. On est enfin de retour à la maison. Welcome back to la maison, to base, la mother base. En fin de retour, alors ouais, il s'est passé il y a eu un temps d'écart quand même. Entre mon arrivée et bah, la vidéo, là, du coup, hein, parce que genre, il s'est passé que pendant une semaine, même plus d'une semaine, j'étais malade. Bah, je suis encore un peu malade, je pense que ça peut s'entendre. Donc, du coup, grosse galère, les gars, j'ai pas joué pendant une semaine, il s'est passé des trucs. Bah, du coup, ouais, j'ai perdu des bottes, mais de fou. Il y a eu une mage, je crois, entre-temps, j'ai pas vu le patch note, mais il me semble que la mage a fixé les problèmes des bottes. Qui disparaissait, qui dépopait, qui. Voilà, on avait des problèmes de bot, des trucs comme ça. Je crois que ça fixe d'autres trucs, mais je crois que c'est bon. Je suis même pas sûr que ça soit réglé, hein, mais à checker. J'ai perdu tous mes bots à l'arrière des canons, là. Je suis deg, j'avais perdu tous mes bots aussi. Dans mon Red Dragon, il était full, full, full. La base, j'ai un peu avancé. Je sais même plus du coup ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu. Hein, genre, les bêtes aussi, je les ai rentrées dans la Tam House. Je sais même pas s'ils sont encore en vie, là il faut que je nourrisse les bottes, les bestioles. La base. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le machin. Il y a mon petit BG là, il est toujours là lui. Hop. Ici on a quoi? Ah ouais, là le petit truc, la production là, avec les pigs et tout pour avoir hop, le caca. Pour pouvoir faire du fertiliseur, bon pour l'instant on va pas le faire. Hein. Là on va laisser en suspens, c'est pas une priorité. Donc du coup ouais il faudrait que je me retape tout ça là à faire là putain ouais mais tu quittes le jeu en fait c'est très difficile je me connectais essayer quoi j'essayais de me connecter de temps en temps pour actualiser pour pas me faire niquer tu vois le decay demolish bon genre, je crois que c'est 10 jours 10 jours t'es bien tu vois
Mais galère, ouais, même pour les bêtes et les nourrir les bêtes et les bottes. Moi, j'ai quand même perdu des bottes. Hein. Là, j'avais installé des bottes, ils ont des pops, ils sont partis, je sais pas où. J'ai le shop là. Pour le moment, j'avais mis quoi? J'ai mis des cartes et tout. Mais c'est en travaux. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Donc là, il me faut de la bouffe en vrai. Est-ce que j'ai de la bouffe pour les bottes et les bestioles? Parce que je stocke, c'est vrai que j'ai ces bouffes là qui me permettent. Ouais, je peux les garder grâce au sel, hein. Plutôt pas mal. Mais en vrai, des graines de carottes, j'en ai pas mal, je pourrais en replanter. Ça se farm. Chickpea, machin, là. I don't know. Ça, on peut en avoir plein, donc je vais donner. Ça, c'est pareil. Je pourrais faire un. Ouais, je sais pas. Je pourrais peut-être partir faire un petit tour avec le Teddy et récupérer de la bouffe. On va voir déjà là, je vais faire pop tous les bestioles, on va voir s'ils sont encore en vie là. Tam, unload, j'en ai 7. Alright, oh là là, calmez-vous, calmez-vous, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Ok, donc on a là toujours la petite vachette, Josiane, toujours là. Le petit monkey là, qui date aussi, il est là. Petit tiger. Ok, pas mal. Hop. Ah, le lion aussi, on est plutôt pas mal. On a le rhino. On a le petit mouton. Et la girafe. Logiquement, on a perdu zéro bestiole. Ah, j'ai pas regardé leur bouffe. Merde, tant pis. On va leur donner ça. On va leur donner ça qui bouffe un peu, tu vois. Est-ce qu'ils bouffent là? Ouais, je sais pas. Et on va chercher de la bouffe. On va chercher de la bouffe. Je crois qu'il y a encore le bug de l'âge. Parce que alors là, logiquement, j'ai pas 100 ans, logiquement là. Hein. Donc je crois que c'est peut-être encore buggé ça, il faudrait que je me crève pour voir si ça marche. On va voir si c'est vraiment buggé, mais je pense que oui. Je pense pas avoir 100 ans, hein. Mais avec le temps qui s'est passé entre temps. À voir, donc l'épisode là, ouais, en termes de contenu, je pense que bah on va essayer de fight. On va essayer de. Oh putain, j'ai rien pris pour casser les olives là. Merde. Ah, on a des fraises. Ah, je pourrais mettre nourrir de fraises en fait. En vrai, on va me taper un chemin de ouf là. Ouais, on va essayer de. Je pense qu'on va prendre le Red Dragon et on va essayer de naviguer pour taper un peu des bateaux pour récupérer des bottes, hein, parce qu'il me faudra des bottes pour le leader. Je crois que j'ai commencé à crafter. Il me semble, ouais, je pense que j'avais crafté des petites greux pour leader aussi. Et leader, en fait, de toute façon, je vais essayer à la greux et si jamais à la greux ça passe pas. Si ça passe pas à la grue, on fera avec le canon, on va essayer de la tirer hein, au bord. On a pas mal de fraises là, on va nourrir tous les bottes. J'espère que ça va suffire. Alors, on va te laisser un peu de fraises quand même, toi. Voilà, mange un peu de fraises. Hop là. Donc ça fait un peu du bien de retourner sur le jeu là. Oh là là. Merde. Oh, ça dort du café ou quoi? On a un peu de vent. Logiquement, j'ai des bottes quoi, suffisamment pour fighter. Hein. Pour remettre comme ça. Il y en a plus de bottes dans l'autre. Hop, je crois que j'ai besoin de rien. Il me semble que j'ai besoin de rien. Là, j'ai quoi? Ouais, j'ai ça. Je peux partir en mode YOLO en vrai, hein, je crois. Hein. Manger les frérots et ouais du coup on est à 8 sur 36 hein. Donc là autant vous dire que je vais pouvoir récupérer des mecs mais à gogo ouais c'était pas prévu hein, mais pour cet épisode mais ouais voilà quoi du coup j'ai pas le choix il me faut des bottes. Puis ça va faire un peu d'action. J'ai des boulets, ouais, 127 boulets, ça devrait suffire. On va se taper un peu, mais c'est. On sort le tank, hein. C'est le tank, hein. On va peut-être changer. Ouais. Ça, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, il faudrait que je fasse gaffe au voile, ouais.
Ouais, y a plus de zèfle. Quoi, y a plus de bruit là. C'est vrai que la cascade a niqué un peu les oreilles. Alors, cherchons. On va suivre le vent hein, et on va chercher les bateaux. Et je pense, ouais, je sais pas quoi faire pour le prochain épisode. En fait, le prochain épisode, ça sera le 19. Et je vais pas faire l'hydre. En fait, l'hydre, je le ferai bien l'épisode 20. Ce qui était prévu de toute façon. Mais l'épisode 19, du coup, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait l'épisode 19? Vraie question. Et après, quand on aura fini de taper l'hydre, l'épisode 20, je pense que j'espère qu'on va le niquer. Hein, mais logiquement, oh, putain, je peux pas fermer ça là. Ah, ça, c'est chiant. Mais ouais, je pense que. Ah, on pourra peut-être faire un bateau. 19. Ah, parce que j'ai récupéré quand même des petits blueprints, mais je suis pas sûr d'avoir un bateau de ouf. Non, ouais, on va taper l'idée de l'épisode 20 et après 21, peut-être on va essayer d'enchaîner les boss après, tu vois. On va essayer d'avancer dans le jeu parce que on n'avance pas assez pour. Si, on avance un peu. Mais on a trop de boss à faire. Wow, bah c'est parfait ça! Look at that man! Donc je peux taper qu'avec le droit, côté droit pour le moment. Ouais, eux ils vont me donner des bottes. Eux ils vont me donner des bottes. Logiquement, hein, c'est un tank. Hein. Je vais tanker de fou. Je vais pas prendre de dégâts. Ah ouais, là on est bien là. Bien, bien, bien. Deux galions. Hein. Je crois que plus les bateaux sont gros, plus ils donnent de bottes. Je suis pas sûr de ça, mais. De cette info, mais. Ah ouais, il y a quatre bateaux quand même là. Là, franchement. Oula, oui, ça fait beaucoup là. Est-ce que je vais avoir assez de boulets? Ok. On va se la tenter. Hein. Logiquement, hein, je suis bien. Hein. On va essayer de niquer. En fait, je suis bien, mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de canons. Je tire pas beaucoup là. Allez, vas-y, mais tourne là. Alors on va essayer de tourner autour. Ils sont pas mal, hein. Ils sont beaucoup, hein. Donc on va essayer de pas trop manger trop de dégâts. Parce que là en fait si je prends trop de dégâts je suis pas bien. J'ai pas envie de perdre le bateau non plus. C'est un bon bateau mais faut pas déconner non plus, tu vois. On tourne les voiles. Ouais, je suis assez loin. Ouais, en fait, c'est chiant parce que là, du coup. Après, si je veux récupérer des boss, c'est un peu galère. Je peux taper que d'un seul côté, c'est relou. Oh là, j'ai tiré, mais je sais pas pourquoi j'ai tiré. On va voir si ça a touché, hein. Je sais pas ce que je fais. Je devrais m'occuper de. Des petits d'abord. Allez, allez. Faut que ça tape là, faut que ça tape. Abuser. Là, il faut pas abuser, je vais prendre des dégâts utilement. Oh là là, look at that man. Je suis un tank, frère, tu peux pas m'avoir. Juste touche pas mes mains. Pas que tu touches mes mains. Allez, tourne, 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 frère. Je sais même pas si je coule, si. Là, il faut que j'envoie là. Là, il faut que j'envoie.
Oh putain, c'est Bagdad! Allez, mange tes morts. C'est galère, il faut piloter, hein. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je tire pas avec beaucoup de canons, donc c'est lent, c'est chiant. Je pourrais faire plus de dinguerie là, mais il faudrait plus de bottes. Alors, je peux peut-être les attendre là, là. Je ferme les voiles. Hop. En plus, j'ai même pas tapé le rouge encore. Mange les dégâts. Allez, recharge, tire. Non, on met les voiles quand même. Ah, parce que si je suis bloqué là, ça va pas le faire. Allez, tire, tire. Voilà, toi tu dégages. Wow, mais je te rentre dedans, j'en ai rien à foutre. Voilà. Il y a un navire de guerre, hein. Le Red Dragon, il blague pas. Ah merde, là, j'ai tiré à côté, c'est pas possible. Ah ouais, j'ai tiré à côté. Ah mais c'est un truc de ouf comment je tank, hein. Ah ça pue la merde, je crois. Tire à côté là. Pas bon, c'est pas bon les gars. On va essayer de fumer les deux là. Allez. Fumez, allez, fumez-les les gars. Et après il y a le gaillon, hein, le rouge là. Nice. Hop. Il va se ramener. Nice. Ok, la vraie question, est-ce que je peux récupérer des bottes là? Là il y a du bot, hein. Mais à gogo, hein. On va tenter, hein. On va tenter les gars. Ah, ça lag, hein, mais j'ai l'impression de laguer de fou. Allez, avance un peu. Il bégaye un peu, hein, j'ai l'impression, le gaillon rouge là. Hop, ferme les voiles, vite, 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 vite. Ok, nice. On va essayer de faire vite, on va prendre la caisse, normalement il y a des golds dedans. Oh, il y a un requin, c'est chaud. C'est chaud le requin. Le shark de mort là. Aïe. Hop, on fait vite. Il y a là toi. Il y a un dauphin. Oh, il y a le shark. Oh, le shark. Oh, le shark. Vas-y, on fuit, on fuit, on fuit les gars. Come on. Ils peuvent se faire croquer aussi les bottes, hein. Ouais, putain, il y a du shark de fou là. Venez sur le bateau, les gars. Alors. Tac. On va encore remplir ce côté-là. Hein. Tac. Je crois que j'en ai perdu un. Hein. Il me semble que j'ai peut-être perdu un bot là. On va mettre là. Là-haut. On va remplir au galion, tu sais quoi. Tac. Voilà. 116. Comment on est là? C'est récupérer les autres bottes. Ce qu'il en reste. Reste-toi, toi aussi, non? Hop. Tu viens d'aimer ma bande. Ah,
Il nous attaque même pas, le galion rouge. C'est un délire. Il nous fuit. Tellement il a peur du Red Dragon. Il connaît la répute. Il sait que c'est un bateau énervé. Il sait qu'on va le défoncer. Comment on est là-haut, là? Ok, ok. On va mettre un peu du coup ici. Hop. Hop. On n'avait que deux, hein. Ok. Je crois qu'il y a d'autres... Il y a d'autres bottes, hein. On va checker. Ok, ouais. Oula, ouais, il y en a pas mal à gauche, là. Derrière, on a rien, là. Ouais, je crois que ça, c'est le galion, hein, là, qu'on a niqué. Je crois que... Ouais, mais il y a pas mal de bottes, là. Attends. Ça me paraît plutôt pas mal. Mais ouais, mais attends, mais... On va se mettre bien, là. Allez, hop. Nice. Look at that, hein. Hop là. Hop là. Toi aussi, viens avec moi, allez. On récupère tout le monde. La caisse. Hop. Hop. Toi aussi, viens. Hop là. Voilà. Comment avoir des bots gratis? Ah, parce que flemme, franchement, on pourrait récupérer des bots avec un freeport où il y a un skill aussi qui nous permet d'avoir des bots. Mais on a plus trop de points. Et vu que c'est galère d'avoir des points. Faudra penser à reset les points plus tard, quand on serait vraiment dans le besoin, mais là, là on va pas tout de suite reset. Mais ouais, j'ai pas envie de gâcher des points pour avoir des bottes. Ah oui, mais j'ai masse monde là en fait. Je peux mettre du monde derrière. Tac. Nice, nice, nice. C'est plutôt pas mal ça. Hein. On va checker en bas. Ah ouais, mais il y a ce côté-là aussi, putain. Je mets des bottes en... à l'arrière, mais... Alright. Il y a d'autres mecs, là. Oh, nice. Ok. Je vais voir vite fait, je regarde vite fait les dégâts. Putain, mais on est à 14 000, les gars, de dégâts. Regarde, 11 000. Ah, là, 9 000. Ouais, 9. Mais 9 sur 10 000, tu vois. Mais... Pff. Mais mon problème, je crois qu'il y a un problème avec le bateau, c'est pas possible d'être aussi tanky quoi. À chaque fois ça me fume. Hein. Voilà la recherche. Logiquement il est parti par là, hein, le petit galion rouge là. Voilà. On va lui faire ses fesses à lui. 100 boulets, quoi, 116 en vrai. 116 on le fume. Hein. Après le Red Dragon, je crois que c'est un blueprint de journée, hein, c'est un bleu, il me semble. Hein. Donc je pense que ça joue aussi sur les stats qu'il a. Je pense que c'est peut-être pour ça que bah, on est fat. Hein. En vrai, bleu, c'est pas de la merde comme blueprint. Hein. On pourrait avoir mieux, certes. Mais ouais, je pense, en vrai, l'épisode 19, ouais, je pense qu'on pourrait essayer de crafter un bateau avec un nouveau shipyard, des bateaux. Je pense qu'on va essayer de faire peut-être un peu de construction de bateaux. Je pense que ça peut être pas mal. Mais lui, il va. Oula, ouais. Lui, par contre, il va taper un level 37. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, mais lui, c'est pas pareil déjà. On va essayer de lui tirer dans le huc. Il va avoir plus de difficultés à nous tirer dessus. Ouais. Oh yeah, mais il y a un autre bateau là. Oh merde. Ah ouais, là on n'est pas bien. Ok, c'est le moment de fuir. C'est le moment de fuir les gars. Ouais, j'ai pas prévu de prendre une voile de... Ah putain, mais ça, tu vois, c'est la connerie.
Ça, c'est la connerie, les gars. Oh putain, j'avance pas du coup. Aïe, je tank, mais. Oh, je peux tirer à l'arrière, MDR. Ah, avec ma petite voile de merde. Je suis bien là. Non, touche pas mon mât. Frérot, laisse-moi tranquille. Ça part en couille, les gars. Ça tourne mal. J'arrive à lui mettre des dégâts en vrai. Ah, mais il va plus vite que moi. Le problème, c'est qu'il va plus vite que moi. J'avance pas là. Faut que je lui mette une petite pilule. Ah, touche pas mon mât, frérot. Je peux mettre plus de mecs derrière? Non, j'ai déjà deux mecs derrière. Ah là là, s'il touche mon mât, je suis fuck top. Je serais chaud de fight, mais je peux pas repartir en fait après. Aïe 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 aïe, touche pas mon mât. Ah ouais, là il me tac. Ouais. On va essayer de le. On va essayer de le niquer comme ça. Mais je pense qu'il va me suivre, il va fou me suivre là. Ouais, c'est la merde, les gars, là. Là, j'ai envie de dire. C'est la merde. J'avance pas. Le problème, c'est que j'avance pas du tout. Et lui, il me défonce. Là, il commence à me saouler. Il y a moyen, dans un monde où on le défonce. Il y a moyen, tu vois. Aïe 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 aïe. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, les gars. On se bat jusqu'à la mort. Espérons qu'il nie pas mon mât. Si nique pas mon mât, c'est ça va. Allez, vas-y, mais fightez les gars, là, fightez là. Il faut. Ah ouais, mais 35 boulets là, non mais par contre, visez bien les gars. Hein. Non mais visez, ah ouais, non mais là il est trop long là. Trois boulets. Pas que c'est un peu tendu, mais j'ai l'impression que c'est tendu. Hein. Alors vas-y, touche. Oh, oh mais wesh. Oh, dis-moi que je le fume quand même là. Mais vas-y, oh là, ça va être close de chez close. Allez, let's go. On va pouvoir fuir. On va fuir loin là. Il faut que je prévoie, mais putain, mais la connerie de pas prévoir des voiles de secours. C'est n'importe quoi, hein. On va récupérer le stuff. Putain, hey, j'ai plus rien les gars. Je suis dans la merde. Ok, mais ça devrait le faire. On va y arriver. T'es pas un gars, 100% hein, le truc là. On me dit que le bateau il est à 100%, je suis au calme. Là je suis postiché. Allez vas-y, avance par contre un peu là, parce que... Ouais, mais on va prendre les bottes qui restent là. Hop, ferme la voile. Nice. Que des numéros 10 dans ma team, frérot. Hop. Non, c'est pas tout le jeu. Prends ça. Et on se pète. On se pète, mais loin. Fort. Hop. Venez. Venez, venez. Alors, un ici.
Voilà. Mec à l'avant. Hop. Un autre ici, là. Là, s'il te plaît. Oh. Alright. Et logiquement, il y en a un qui se touche. Non, c'est bon. Ok, faut qu'on se pète. Voir les dégâts là. Non, mais j'ai tanké. Non, mais genre, c'est. C'est nimp. C'est nimp. La maison, elle est où? Elle est à gauche. Oh, genre, j'ai pas le Zef. Oh putain, ça va être long. Oh là, la gueule de la voile, frère. Donc ouais, un bateau, on peut faire bien ça. C'est un bateau, tu peux pas mourir avec, tu imagine, j'avais un mythical ou un truc comme ça. C'est genre un Legendary, ça serait nappe encore plus. Le voyage tranquillou. Ah, claque des, ça. Ok, on est arrivé à la maison, les gars. Enfin. Putain, c'était long avec la petite voile là. Je te raconte pas la galère. On va ranger ça. Le sous-marin. On dirait un sous-marin, frère, genre, je te jure. La belle bête. J'ai l'impression qu'il y a des lacs chelous. C'est. Je sais pas si c'est leur serveur ou si c'est Mako, mais. Putain de bizarre. Hop, on gare ça. Alors, j'avais pensé, ouais, donc, du coup, pour l'épisode 19, j'avais pensé, du coup, à crafter les shipyards et les. Voilà, ça tape. Et faire, ouais, genre un épisode bateau, tu vois, genre construction de bateau, tout ça. Mais le problème, c'est que, genre, il me semble que les shipyards, il y a un shipyard, je crois, un seul. Ou peut-être deux. Oui, j'ai besoin de mythos, tu vois, pour pouvoir le crafter. Donc, du coup, qui dit mythos, bah, il faudrait tuer l'hydre en premier, c'est un peu chiant. Et au pire de ce que je. Ce que je bon, en fait, ouais. Ce que je pourrais faire, c'est. Au pire des cas, je nique l'hydre. Je fais la vidéo, je tourne la vidéo de je nique l'hydre. Et après, je tourne la vidéo des bateaux et je les monte à l'envers, si tu veux. C'est d'abord je pose la vidéo des bateaux en sachant que j'ai une équilibre, tu vois, mais je le montre pas tout de suite. Et après, l'épisode 20, je mets machin l'autre épisode. Vous avez capté. Mais oh, bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors attends, ah, parce que du coup j'en ai un autre paumé là. On va te caler là. Il faut que je transfère des bottes, j'avoue. Je transfère des bottes sur ce bateau là. Hop, pour bah justement pour l'hydre. Monter là-haut là. Il est monté? Je crois qu'il est monté. Ok. Donc on va se quitter là-dessus. Ouais, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Cette magnifique vue. Alright, man. Like this. J'espère que vous avez quand même kiffé cet épisode, les gars. C'était un peu un épisode brouillon. Je ressors de la merde, hein, des enfers. Sept jours malade, c'est un enfer. Et je suis encore un peu malade, donc, pour vous dire. J'ai chopé tous les virus, hein, genre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Quelle idée, hein, l'idée de tomber malade en plein été. Franchement, hein, sans déconner. Bon, j'espère que vous avez quand même kiffé cet épisode, les gars. Prochain épisode, donc du coup, je sais pas, je vais m'organiser. Peut-être construction, peut-être que je vais pas utiliser les mythos. On verra comment ça se passe. Ou peut-être que je ferai le système que je vous ai dit où je fais le lead et tout machin, mais je vous poste après, tu sais. T'as capté. C'était Night, les gars. Prenez soin de vous. Peace.